J'ai vu un cauchemar. Il fait jour. Ok, bon, nouvelle journée dans Color City tranquillement. Attends, c'est qui? Emma? Attends, mais me dites pas qu'elle est chez moi. Mais comment elle fait pour rentrer chez moi à chaque fois? Attendez, on va essayer de vérifier quand même si c'est bien elle ou si c'est un imposteur. Allez, dépêche-toi, accélère. Non, mais elle est vraiment à l'aise. Ils sont joués en plus ici. Elle fait quoi avec mes jouets? Elle a pris tous mes jouets en plus. Attendez. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Regardez! Mais elle est tellement assise tranquillement. Qu'est-ce qu'elle fait? Allez. Bon, attendez, on va essayer de la surprendre. Vraiment, elle est comme chez elle en fait. Bon. Emma, tu fais quoi là? Shadow, qu'est-ce que tu fais là? Mais toi, tu fais quoi? T'es chez moi quand même là. Comment ça? Qu'est-ce que je fais là? Mais quoi, monsieur le policier? Eh, t'as atteint les 20 000 abonnés, maintenant je veux que t'atteignes les 100 000. Vas-y, avance, avance un peu là. Avance, recule, recule. Pardon. Les gars, je suis piégé, s'il vous plaît, abonnez-vous. En route vers les 100 000 tout de suite. Ouais, c'est vrai, mais tu m'as fait rentrer hier soir, tu te souviens pas? Attends, laisse-moi réfléchir. Mais je t'ai jamais fait rentrer, qu'est-ce que tu me dis? J'étais en train de dormir, je viens de me réveiller. Mais si, mais n'importe quoi. Bon, dis-moi tout de suite, comment t'as fait? Comment t'as fait? Je veux savoir vraiment. Ok, pardon. J'avoue, j'ai fait un double des clés. Quoi? Attends, mais qui a aidé à faire ça en fait? Bah, c'est les gens, ils savent que je t'aime trop et tout, qu'on va vivre ensemble. Je vais les retrouver ceux-là, c'est pas possible. Bon, donne les clés. Mais non, mais. Bon, donne les clés, sinon c'est la porte. Ok, d'accord, tiens. Voilà. Elle est là. Ah, mais ouais, mais c'est la 8e que je récupère, j'en peux plus. Mais bientôt, je vais mettre un code sur ma porte, tu vas voir. Mais je le connaîtrais, tu le sais très bien, je sais tout de toi. Bon, c'est vrai quand même, c'est quand même tout de moi, j'en peux plus. Bon, qu'est-ce déjà, je vais ranger la clé, voilà, juste là. Bon, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Bon, il fait beau. Tu veux faire les courses avec moi ou pas? Ouais, allez, vas-y, on y va. Bon, tu sais quoi, viens avec moi, on va faire les courses. Bon, par contre, ça veut pas dire que tu habites avec moi, je te dis direct. Mais si, on va faire nos courses. Non, attends, j'ai dit mes courses. Toi, ta maison est juste là, devant, dans tous les cas. Mais ça va être elle, notre maison, tu le sais. Mais pourquoi c'est ta maison alors? Mais pour les vacances. Donc tu veux vivre chez moi et pendant les vacances tu vas chez toi? Ouais, on va ensemble chez mais moi. Mais j'ai déjà ma fille qui habite chez moi, je vais pas héberger deux filles quand même. Et moi c'est la plus importante normalement. Bah ma fille c'est Lila quand même, je vais pas. Je suis allée. Bon allez, vas-y, viens, on prend pas de temps. Bon allez hop, viens avec moi, je vais t'emmener directement dans. Bah t'aimes bien quand je te porte en général, non? Oui, c'est vrai. Bon allez, viens. Je vais t'emmener directement dans la salle. Aïe, ouf, désolé, je t'ai cogné la tête. Tu m'as cogné la tête. Désolé, bon, je te mets juste là. Bon, regarde pas ma cachette, hein, okay. Tu vas rester là, ok? Tu lis un livre le temps. Ok, je regarde pas. Je reviens, ouais, regarde pas ma cachette. Ce livre, là. Ouais, voilà, bon, parce que les gars, il y a tout mon coffre-fort là pour aller faire les courses. Bon, j'ai récupéré un peu de diamants dans mon coffre-fort qui se trouve normalement dans la bibliothèque quelque part ici. C'est la rangée de droite. Je tourne à gauche. Oh, il est là, c'est bon, il est là. Bon, allez, on l'ouvre et on prend notre. Quoi? Attends, mais ils sont passés où mes diamants? C'est pas possible, attends. Je vais cligner des yeux, attends. Je vais me gratter les yeux un petit coup et on réouvre. Non, mais où sont passés mes diamants là? J'ai pas de. Me dites pas que c'est. Emma? Pourquoi tu regardais vers moi là bizarrement? Ah, t'es là? Bah, arrête de faire exprès, je t'ai vu regarder, tu m'as regardé là. N'importe quoi, mais je te cherchais, tu me manquais trop. C'est toi qui as volé mes. Attends, j'arrive, je vais m'occuper d'elle. C'est toi qui as volé mes diamants? Quoi? Quel diamant? Arrête de mentir. Emma, t'es rentré chez moi par effraction avec la clé que j'ai dans les mains là, regarde, elle est juste là. Mais je serais pas restée si je t'avais volé quelque chose. Bah, c'est vrai ça, mais qui a pu voler mes. Mais qui a. Attends, tu vas m'expliquer qui fait le double de tes clés à chaque fois? Faut que tu me dises le nom maintenant, je veux le savoir. Bah écoute, c'est Jam, j'avoue. Quoi, c'est Jam? Mais comment il peut te faire ça comme ça gratuitement? Bah, il m'aime bien apparemment et du coup, il fait ça. Oh là là, mais c'est pas possible! Mais comment c'est. Et Jam, les gars, je l'ai ramené, je l'ai sorti de la campagne et il ose quand même me faire ça! Bon, si du coup c'est lui. Après, c'est peut-être pas lui, il faut voir. Ouais, mais après, il a une enquête. Il a peut-être fourni les clés à des gens qui sont venus voler mes des trucs à moi, tu vois. Oh, peut-être. Bon, c'est quoi? Attends, une enquête. Je vais aller demander à Gimmy parce que Gimmy, des fois, bon, il a quand même les mains maladeuses, donc vas-y, viens avec moi, allez le voir. C'est quand même bizarre. Gimmy! Oh, Gimmy! Bon, je suis toi comme. Va me le payer! Qu'est-ce qui. Gimmy? Quoi? Je peux plus! Ah, t'es là, toi! Tu fais pas genre, tu sais pas, toi, ce qui s'est passé! Attends, il lui arrive quoi, Emma, là, Gimmy? Qu'est-ce qui se passe? Mais il est fou! Il t'arrive quoi, Gimmy? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te déchaînes sur un punching ball? Allez, viens te battre maintenant! J'ai pas envie de dire contre toi, je suis ton ami! Non! Stop! Calme-toi! Je sais que c'est toi qui m'as volé mes émeraudes! Tes émeraudes? Mais attends, Emma, lui aussi, ça fait voler, je crois! Bah, attends, mais Gimmy, moi aussi, je me suis fait voler mes diamants! Ouais, c'est une bonne excuse. Regarde, viens voir ici, là. Là, c'était mon coffre caché. Regarde, y'a plus rien à l'intérieur. Mais je te promets, je l'ai caché aussi dans ma bibliothèque et y avait plus rien. Je te promets, y avait plus de diamants. Regarde-moi dans les yeux. Attends, je fais un petit 3-6. Vas-y, moi aussi, hop. Ok, vas-y, je te crois. Ouais. Bah ouais, mais Emma, c'est la preuve, elle était avec moi. Oui, c'est vrai. J'étais avec lui quand il a regardé, y avait plus rien du tout. C'est peut-être toi en vrai, non? Mais c'est ce que je. Attends, viens, ça se trouve, c'est elle. Attends, viens avec moi, on se pose ici, viens. Ça se trouve, c'est elle en vrai. T'es sûr que c'est pas toi? Mais je vous le promets. Bon, pour l'instant, on va lui faire confiance, mais bon. Mais oui. Faut trouver un moyen de trouver qui nous a volé nos trucs. Il y a un voleur dans Color City aujourd'hui, c'est pas possible. Allez, rends les diamants. Non, mais c'est pas elle, Gimmy. T'inquiète, c'est pas elle. Fais-moi confiance. Ok.
ok. Ok, fouf. Bon, faudrait qu'on mène l'enquête. Hey, tu sais quoi, on va faire un truc, ok. Vas-y, dis-moi. Il y a un scientifique fou qui habite pas très loin. Viens, on lui demande de nous construire une machine, genre qui oblige les gens à dire la vérité. Genre un détecteur de mensonges. Ouais, un détecteur de mensonges. Ça peut être pas mal, hein. Comme ça, on peut savoir si c'est toi. Comme ça, ouais, mais on peut vérifier. Pour moi, je vous l'ai dit. Bah, on verra de toute façon. On va aller le voir, ok. T'es prêt? Moi, je mets une pièce sur Emma. Moi, je mets une pièce sur Jam parce qu'il lui a donné un double des clés de chez moi. Donc, ça se trouve, il est dans la combine. Ouais, bon. Il faut vraiment que ça savoir qui c'est là, parce que là ça va plus, hein. Ça rentre chez les gens et ça récupère directement nos trucs privés. Ouais, bon, attends, viens, on va aller voir le scientifique, on va aller le voir, vas-y, venez. 15 minutes later. Oh, allez, plus vite que ça, le scientifique nous attend, enfin le docteur. On est là. Attendez, venez, venez, on se met là. Il est juste là, regardez, Monsieur Bull, qu'est-ce qu'il fait? Il a des bottes de diamant dans les mains là. Pourquoi il est aussi riche comme ça là? Monsieur Bull, qu'est-ce qu'il fait? Le Shadow. Mais qu'est-ce que c'est, quoi ces blocs de diamants que t'as dans les mains? Rends ce que t'as volé immédiatement. Tu les as eu? Depuis quand t'as autant d'argent toi? Mais j'ai gagné au loto. Il a volé. Attends, mais tu vas où là d'ailleurs? Tu te dirigeais vers la banque? Pourquoi tu vas vers la banque? Parce que comme j'ai gagné au loto, je vais mettre mes blocs dans la banque. C'est bizarre, tu vois, c'est lui Gamy qui m'a volé mes diamants. Je me prépare pour lui en coller. Attends, bouge pas d'ici. Attends. Mais pourquoi il veut me frapper, le monsieur? Bah, parce qu'on te suspecte d'avoir volé nos diamants quand même. Mais non, c'est sûr. C'est lui, tu penses? Attends, mais Emma, elle est bizarre, elle se met trop sur ses côtes. Non, mais oui, on peut pas faire confiance à personne dans Color City. Mais bon. Non, comme de par hasard, c'est en même temps, c'est bizarre. Et de toute façon, il y a qu'une seule solution, Gamy, c'est laquelle? On va aller voir le scientifique fou, comme ça au moins. On va tous passer au détecteur de mensonges, ok? Ça dérange personne de passer au détecteur de mensonges ici? Non, d'ailleurs, on m'a volé mon objet à bulles. Ah quoi? Ton truc à bulles, on te l'a volé? Oui. Alors ça, c'est pas cool. C'est pas cool. Il y a vraiment beaucoup de voleurs ensemble. Bon, vas-y, venez. On va aller voir. Faut qu'on aille voir le scientifique. Attends, je vais passer un coup de fil. Il est en train de nous préparer un super truc là. Ouais. Oh, docteur! Venez, il est là, le docteur. Il me reste plus qu'à poser ce bloc là pour terminer la machine. Voilà. Salut les Sean. Bonjour. Bon, par contre, les gars, je vais vous dire un truc, ok? Ouais. Je ne veux aucun commentaire sur ses yeux. Il déteste qu'on parle de ses yeux, ok? Comment ça, messieurs, monsieur? Qu'est-ce que vous dites? Les yeux, la machine, c'est ça? Regarde-moi dans les yeux pour voir. Oui, je veux vous regarder dans les yeux. Bonjour, monsieur, oui. Non, mais je t'ai demandé de me regarder dans les yeux. Qu'est-ce que vous voulez, les Sean? Non. Bon, est-ce que t'as construit la machine que je t'ai demandé ou pas? Oui, c'est bon. Regardez, c'est juste là. Regardez, voilà. C'est un détecteur de mensonges XXL. Il est très, très grand. Il fonctionne très, très bien. Comment ça marche à peu près? Ah, bah, c'est un petit peu compliqué pour vous. Vous n'avez pas l'air très intelligent, surtout lui là, juste là, donc je vais pas trop vous expliquer, mais c'est très très compliqué, attention hein. Ah ouais, intéressant, et t'es sûr que tu veux pour regarder dans les yeux? Ah oui, je peux vous regarder dans les yeux, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Aucun problème. Ok, bon, vous savez quoi, j'ai envie de commencer par Monsieur Bull, tu vas y passer. Non. Bah, ça te dérange pas si c'est pas toi qui a volé mes diamants, du coup, ça va. Bah d'ailleurs, c'est quoi cette paire que t'as eu là? Tu l'as acheté où, cette paire de chaussures? C'est Nike. Mais tu l'as acheté quand, avec quel argent? J'ai fait un drop. Mais attends, mais on t'a récupéré dans un lac il y a même pas 2 jours, comment t'as pu? Ok, bon, c'est quoi? Viens avec moi. Oui. Les gars, on va se préparer, allez hop. Rentre là-dedans. Tu vas le mettre dans la machine. Allez, va là-dedans, bon. J'espère que le monsieur avec sa tête de golemon, il a bien fait la machine. Comment ça? Quel monsieur? Je vois personne. Docteur, il parlait pas de vous. Bon, ah oui, on se prépare. J'espère bon. Bien. Comment ça marche, docteur? Faut juste cliquer sur le bouton, c'est alors, ça? Alors, il faut mettre bien, voilà, le sujet dans la machine et après, il faut cliquer. Mais une seule fois, attention. Ah, une seule fois, ok. Avant, si on clique 2 fois, il risque d'avoir des radiations. Ça pourrait être un peu dommage. Bon, bah, on va manger du saumon ce soir. Oh ouais, trop cool. Des sushis. Miam, des sushis. J'ai déjà super faim. Le premier, il appuie 2 fois, je lui vole encore plus de diamants. Oh, quoi? Attends, mais t'es en train de dire que c'est toi, là. Non. Eh, de toute façon, on va le savoir. Venez, on se positionne ici. Oui. Ok, je vais poser la question fatidique, monsieur Bull. Oui. Bon, monsieur Bull, est-ce que c'est toi qui as volé tous mes diamants dans ma maison? Ok, attention, bam. Ok, voyons voir. Non, je vous ai dit que j'ai gagné au loto. Vous voyez ce que je vois là ou pas? Est-ce que je vois rouge? Bizarre, monsieur Bull. Et c'est quoi les diamants que t'as dans les mains? Attends, on va lui poser la question directement. Est-ce que les diamants que t'as dans les mains là actuellement, est-ce que c'est les blocs que tu m'as volés? Bam. Voyons voir. Allez. Juste la moitié. Il a encore menti. C'est lui. Mais toi. Tu sors de là. Allez, faut que tu sors de là maintenant. Bon, allez, sors de là. Donne mes diamants tout de suite. Allez, tu donnes. Reviens là. Attrapez-le. Attrapez-le.
Donne les diamants tout de suite. Allez, voilà, c'est bon. Ça va bien se passer là. Allez, la il suite. En manque. Ouais. Non, 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 non. T'en as encore dans les mains là, non? Non. Ah non, ouais. Donne les chaussures. Oh non, mais pas les Nike. Non, non, laisse les Nike quand même. Il les mérite. Moi, je veux juste le reste. J'y vais que t'avais encore. Donne. Bon, d'accord, d'accord. Voilà, c'est bon. Bon, on le libère ou on le garde encore avec nous? Je sais pas. Mais attends, moi, je propose qu'on en fasse du poiscaille là. On le mange là pour ce soir. Attends, mais ça se trouve, c'est lui qui t'a volé. Attends, tes émeraudes aussi, Gimli, non? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il manque les émeraudes. Attends, regarde-moi dans les yeux. Mais en fait, toi aussi, t'as du mal à me regarder dans les yeux. Tu vas y retourner, en fait. Viens, viens, on va te remettre là-dedans. C'est Gimli qui a posé la question cette fois-ci, allez hop, va là-dedans. Allez, voilà, allez, on va poser la question. Rentre. On me martyrise tous. Bah, t'es un voleur en même temps. Bon, attention, on se prépare. Allez, Gimli, bon, je vais le regarder. C'est sûrement lui qui a volé tes émeraudes. Monsieur Bulle, est-ce que c'est toi qui as volé toutes mes émeraudes dans mon coffre secret dans ma maison? Attention. Je te jure que c'est pas moi, Gimli. Oh, oh, ah, c'est vraiment pas lui. Attends, mais c'est qui du coup? J'arrive. Attends, ça veut dire qu'il y a deux. Il y a deux voleurs. Il y a deux. Il n'arrête pas de m'accuser. Bon, allez, c'est bon, on peut te libérer, monsieur Bulle. Tu peux sortir, c'est bon. Tranquille, tu peux y aller, vas-y. Attends, mais monsieur Bulle, c'est vrai qu'il faut qu'il pose la question pour son truc à Bulle aussi. Il a perdu son. Il s'est fait voler son truc à Bulle. Oui, on m'a volé mon Bulle. Gimli, rentre là-dedans. Je peux passer dans la machine. Oh oui, trop cool. Oh, il est trop content. Bon. Pose-moi la question. Pose-moi la question. Allez, à toi de jouer, monsieur Bulle. Gimli. Oui, 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 oui. Est-ce que tu as volé Bubule? Oui, c'est moi qui l'ai fait. Oh non, mais c'est pas lui. C'est pas lui. Attends, mais quoi? C'est pas lui. Oh, non. Comment c'est possible là? J'arrive pas. Bah, sors de là, Gimli. Attends, sors de là. Bon, ça marche de fou. Mais oui, ça marche super bien. Mais attends, comment? Attends, je vais essayer avec moi ou pire? Attends, bah, pose-moi la question, monsieur Bulle. Salut, je passe à la machine. Monsieur Poulet, est-ce que c'est toi qui as volé Bubule? Non. Ok, ça affiche quoi? Ça affiche quoi? Oui, hein, c'est bon, ils m'ont pas. Ah, mais quoi? Mais attendez, c'est pas normal. Attendez. Emma, va dans la machine, Emma. C'est vrai que tu m'en parles souvent de, de ce truc à Bulle là. Allez, rentre là-dedans là. Ok, ok, vas-y. Ok. Mis à part que ce soit moi qui ai volé mon bubule tout seul, c'est forcément elle, hein. Après, il y a encore Jam et on a aussi Kevin. Mais c'est vrai qu'elle, c'est la plus plausible de la voler, en vrai, hein. Mais non, n'importe quoi. Pourquoi t'as volé le bubule? Mais j'ai pas volé, je ferai pas ça. Non, on le verra de toute façon. Bon, je vais poser la question. Alors, attention, Emma. Est-ce que tu as volé le petit bubule, le petit machin avec lequel il fait bubule, là, monsieur Bulle? Est-ce que tu l'as volé, oui ou non? Bam. Non. Elle a menti. C'est elle. Bon, monsieur... C'est elle. Bon, monsieur Bulle, je te laisse. Occupe-toi d'elle. Non, n'importe quoi. Occupe-toi d'elle, monsieur Bulle. Voilà, occupe-toi d'elle. Voilà. Stop, stop, bon, bon, on se calme, on se calme, les enfants, on se calme. Bon, on arrête de se battre et tout. Voilà, on se calme. Voilà, libère-le. Allez, viens avec moi, toi. Allez, hop, on va les libérer un petit coup. Voilà, tranquillement. On se calme. Bon, pourquoi tu l'as volé? Mais non, il y a dû y avoir une erreur. Je l'ai pas. Ça me sert à rien. Emma, le. Je crois que ça ment jamais, la machine du docteur. Elle ment jamais. Mais si, regarde, il t'a volé. Je suis sûr qu'il a volé l'émeraude de Gimli aussi. Bah non, pourquoi non, il aurait non, pas volé je pense pas. Bon. Attends, mais c'est elle qui a volé mon émeraude, peut-être? Mais non, c'est pas moi. Oh là là. En vrai, je pense. Oh, mais attends, c'est vrai que tu m'as dit, c'est qui t'a fait les clés déjà? C'est Jam. C'est Jam. Ouais, c'est Jam. Intéressant. Intéressant. Faudrait qu'on ait le choper aussi, je pense, Jam, non? Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est Jam. Bon, déjà, rends-lui son truc à Bulle. La machine, elle ment pas. C'est pas moi, c'est pas moi. Si, c'est toi, rends-lui. Bon, tiens. Oh, la vidéo. Oh, mais elle marche trop bien. Mais c'est trop fort, monsieur le docteur. C'est trop fort, monsieur. Oui, la machine, elle marche à 100%. Elle marche tout le temps, la machine. Oh, mais il est trop fort. Mais vraiment, monsieur, on va vous contacter plus souvent. Doc, est-ce que je peux vous appeler Doc ou pas? Ah, bah oui, si vous voulez. Mais attention, ça coûte très cher, les machines comme ça. Donc là, aujourd'hui, pourquoi pas une fois, mais attention. Bah, si vous voulez, venez, venez, on fait une petite transaction entre nous. On revient, deux secondes. Ah, voilà, ça, je suis d'accord, okay, ça, monsieur bon. Château Passe. Si vous voulez, je vous passe. Combien de blocs de diamants vous voulez? Ah, j'en voudrais bien 4, si vous savez, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci, tenez, tenez. Ah, merci beaucoup. On va pouvoir faire affaire tous les deux. C'est très, très bien. Non, t'inquiète, Gimli, t'inquiète, je suis une organisation. Bon, par contre, j'aurais besoin d'une petite machine bientôt pour ces trois zigotos, mais il faut pas que vous. Ça restera entre nous, ok? D'accord, d'accord, vous me direz, je ferai ça. Je vous dirai, bon. Bon, on continue d'utiliser la machine et bah on revient plus tard, ok? D'accord, d'accord. De toute façon, c'est branché à l'électricité, ça fonctionne. Ok, parfait. Bon, ça, je suis de retour, les gars. Bon, oh, Bubule, t'es content d'avoir retrouvé ton petit truc? Oui, oui, oui. Et toi, Emma, tu veux le même, hein? Bah ouais, je veux le même, c'est pour ça. Bon. Je te l'ai juste emprunté. Bon, tu sais quoi? Je vais peut-être t'en offrir un de ces quatre, ok? Oh, c'est trop mignon, merci. Non, t'inquiète, les amoureux. Ouais, bon, venez, on doit partir voir du coup le petit Jam parce qu'il est quand même super suspect, hein. Ouais, oh, mais regardez le docteur, suspect. Il parle avec mes diamants là-bas. Ah ouais. Ouais, il a l'air super content. Ouais, super. Bon, attends, je l'ai payé 4 blocs de diamants. 4 blocs.
Ah oui, en même temps, super arnaqué, je vais aller lui dire. Non, non, t'inquiète, reviens, t'inquiète. On faut qu'on perde du temps, il y a encore Jam, faut qu'on aille voir Jam là. OK. Vas-y, venez, on va aller voir. Jam. Il a pensé Jam ou pas, il dort. Attendez, Jam. Ouais, il est peut-être. C'est qui sonne encore? Bonjour monsieur Poulet. Bonjour monsieur Tortue aussi. Jam, rentrez perquisition, rentrez tous. Bonjour, vous voulez du poulet? J'ai fait du poulet, je regarde. Comment ça, il y a du poulet? Non. J'ai fait à manger. Pas de poulet ici, on mange pas nos combats. Mais comment ça, tu veux pas mon poulet? Mais il est bien mon poulet. Tu es en train de le cuisiner en plus, là, en direct. Mais oui, je vais refaire à manger. Je suis un peu en même temps en train de nettoyer et tout. Vous êtes amené la fille ou pas? Ah, elle est là, la fille. Bonjour, la fille. Bonjour, Emma. Ça va? Bonjour, comment ça va? Oui, moi, ça va bien. Oui, ça va. Oui, moi, ça va très bien. Oui, attention. Tu vas me rendre mes émeraudes? Des émeraudes, oui. On t'accuse d'avoir volé les émeraudes de Gemi. Je connais pas les émeraudes, moi, c'est quoi? Parce que je suis un villageois, c'est ça. Tu dis ça parce que je suis un villageois, c'est ça. J'ai une tête d'émeraude. Il y a que les villageois qui adorent à ce point les émeraudes. Oui, c'est un peu limite ça, monsieur Poulet. Hein. Les gars, vous pensez pareil que moi? Elle est où, Emma? Oui, vous pensez comme moi, non? Je suis là. Oui, on pense clairement comme toi. Bon, Jam, allez, vas-y. Tu vas venir avec nous. On a un détecteur de mensonges pour toi. Hop là, allez, viens avec nous. Mais non, mais c'est moi, monsieur Poulet, j'ai rien fait. Allez, on t'ouvre la porte, allez. Hop, tu vas venir avec nous. Mais vous allez m'emmener où encore? T'inquiète pas, dans la machine. Mais attention, il y a des voitures. Allez, hop, vous êtes d'accord avec moi que c'est peut-être lui, hein? C'est tellement lui, vas-y, mets-le à l'intérieur. Allez, là-dedans, C'est quoi cette machine? Mais expliquez-moi un peu. On va laisser Gemi poser la question. C'est quand même tes émeraudes à toi. Ok. Bon, déjà, t'es super moche, déjà, pour commencer. Ça, c'est pas vrai, ça. Attends, je fais un test. Bon, Jam, est-ce que t'as un monosourcil? Ah, bah, moi, mais pas du tout. Les gars, tu rigoles ou quoi? Hop, on clique. Oh, c'est rouge. Bah, elle marche bien, c'est bon, Gemi, je peux te laisser. Je suis désolé de t'annoncer, mais t'as vraiment un super monosourcil. Bon, j'aimerais savoir, Jam, est-ce que t'as volé mes diamants? Non, pas mes diamants, mes émeraudes. Des émeraudes, je connais pas d'émeraudes. Non, pas du tout, c'est pas moi, je ferai jamais ça, moi. Ok, j'appuie sur le bouton, attention. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, Gemi, la box, bon, Gemi. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette machine? Vous m'avez fait quoi encore? Non, aïe, mais non, c'est pas la bagarre. Non, je veux pas la bagarre. On se calme, Gemi, viens. Viens avec moi, parce qu'il est super énervé, Gemi. Bon, attends, je vais détendre un petit coup. Viens. Tranquille. De toute façon, il va te la redonner. Bon, Jam, tu vas redonner les émeraudes à Gemi quand même. Oui, les émeraudes. Bon, si vous voulez, j'en ai deux, mais c'est tout, hein, j'en ai pas plus. Jam, attends. J'ai reniflé, il y a des émeraudes dans ta poche là. Non, j'ai pas des. Ah, j'en ai trouvé une. Oh bah non, mais quel maladroit. J'en ai trouvé une dernière. Ah, c'est tout. Oh, il y en a vraiment une dernière. Il y en avait beaucoup plus. J'en ai trouvé une par terre là. Oh, il y en a une par terre. Oh bah non, vous avez de la chance, monsieur, quand même. Non, mais t'as quoi dans les mains là? Dans les mains, c'est un caillou vert. C'est pas une émeraude ça. Qu'est-ce que vous racontez? Vous savez pas faire la différence. Tu veux retourner à la campagne, Jam? Oui, alors ça tombe bien. Du coup, j'en ai un peu. Voilà, prenez tout ça. Ah bah c'est pas des émeraudes d'un coup. Pardon, pardon. Ok. Bon, okay. Du coup, voilà, enfin. J'ai envie de te poser une autre question, Jam. Retourne dans le détecteur rapidement. D'accord. C'est vraiment un détecteur de mensonges, c'est ça? D'accord. J'ai peur. Alors. Qu'est-ce que tu vas lui demander? Tu vas comprendre. Il est en train de transpirer, Jam. Je sais pas. Vous me posez des questions qui font peur, vous. Bon, Jam. Est-ce que tu es amoureux de Emma? Bam. De Emma? C'est qui Emma? Je connais pas Emma. Emma. Ah, si Emma. Mais si, je connais Emma. Non, je connais pas. Bah vas-y, réponds à la question. Ah bah vraiment pas, non, je connais pas Emma. Oh, non. Ah, il est amoureux de moi. Oh, il est amoureux. Mais non, mais vraiment pas, c'est la machine, elle est cassée. Mais non, bien sûr que non, c'est toi que j'aime. Attends, il y a deux déclarations en même temps. Ouais, c'est vrai que là, il s'en passe des choses dans Color City aujourd'hui. Hein. Il s'en passe des choses. Bon, ouais. Arrête de transpirer, Jam, sors de là. Je dois transpirer, je sors. Elle est bizarre, votre machine, elle fait peur. Attends, je vais sortir une fois à terre. Ah oui, l'odeur. Jam. Mais Shadow, oui. Toi, tu t'en fous de ce qu'il a dit? Bah, c'est vrai que c'est un peu ma fangirl, Jam. C'est un peu limite ça. Oui, mais on a le droit de partager un peu. Elle est gentille. Non, moi, je partage pas. Je la garde avec moi comme ça là. D'accord. Bon, attendez, je vais essayer de discuter un peu avec Gemi. Gemi, on va parler de ça là rapidement, viens voir. Ouais, on va parler de ça rapidement, ouais. Je pense qu'on a à peu près tout réglé, non? Ou tu penses qu'il y a encore des menteurs? Non, je pense qu'on a tout réglé là, en vrai de vrai. Hein. J'ai pas de pointe. Jam là-bas, attends. Il est en train de faire de la musique. C'est le drague Emma, je pense. Ouais, clairement, moi je pense que c'est clairement ça. Shadow. Bah, il m'embête un peu, quoi. Jam, tu fais. Attends, mais monsieur Bull, t'adores la musique? Oui, il faut qu'il continue, c'est un banger. Mais quoi, regarde.
Ça, attends, mais tu crois vraiment que c'est un classique là ? C'est nul là ce qu'il a fait. Mais arrête, t'as eu très bien ma musique, j'ai appris la flûte pour plaire aux filles et ça marche très bien. Ça marche, Emma ? Bah non, c'est toi, comment ça, ça marche pas ? Je t'ai donné des clés et tout à l'heure et ça a même pas mes noms, mais c'est pas gentil. Bah c'est mignon. Diane, d'ailleurs, je vais devoir arrêter de donner mes clés à Emma, hein, je te le dis. Hein. Non, mais c'est parce que si je l'ai croisé et puis j'avais des clés sur moi et hop, sans faire exprès, j'en ai perdu une ou deux. Bah, ça arrive. Donne-moi la clé d'air, t'en as les mains tout de suite ? Oui, d'accord, voilà. Oh, j'en ai quelques-unes. J'ai tout fait de ta maison, j'ai tout. Voilà. C'est la question, arrêtez. Bon, c'est bon, j'ai tout récupéré. Parfait. Est-ce que j'ai pu avoir une aussi ? Oui, voilà, cadeau. Et moi aussi, je peux en avoir une. Oui, voilà, c'est tout. Voilà, c'est la chambre, ça, c'est les toilettes si tu veux. On arrête. C'est bon, on arrête là. C'est... Au bout d'un moment, là, donnez-moi mes clés là, tout de suite. Non, moi je voulais te voler la PS5. De toute façon, il y a des cartes de mensonge maintenant, donc je pourrais te repérer directement. Ah oui, bah mince, en plus je viens de le dire, je suis bête. Bon, allez, donnez-moi ça là. Bon, j'ai une petite dernière question à poser à Jam parce que tout à l'heure, Emma m'avait expliqué vite fait en privé. Apparemment, elle a entendu un bruit de bébé. Me dis pas que tu séquestres des enfants chez toi quand même, Jam. Non, je comprends pas. Si vous voulez, je peux y aller, hein, vraiment, parce d'accord. que ça, je comprends pas. Ça, cette histoire, je sais pas. Tu m'as bien dit qu'il y avait entendu un bruit de bébé dans sa maison, non ? Ouais, bon, ouais, enfin, on allez, je me prépare. Bon, Jam, est-ce que t'as des enfants dans ta cave quand même ? Parce que c'est très bizarre. Des enfants ? Bah non, j'en ai pas. Okay, j'en ai vraiment voyons pas. Voir. Oh, oh, non, mais quoi ? Mais tu m'as menti, Emma. Oh, mais bah, je te promets, j'ai entendu des bruits de bébé. Tu vois, c'est quoi, Gamy ? Attends, quoi ? Attends, ça s'est mis vert. Attends, je comprends pas trop là. Mais moi, je comprends plus rien. T'as un petit frère ou quelque chose dans cette famille ? Un fils, vous pensez, un fils ? Un fils. Attends, bah non, mais un fils, j'en ai pas. Vous êtes hippie, c'est pas possible. Vous avez vu ma tête ? On va poser cette question. Jam, est-ce que t'as un fils? Ok, voyons voir. Bah, vous avez vu ma tête. Bah non, j'ai pas de fils. Qu'est-ce que vous racontez? Oh, t'as un fils, Jam. Qu'est-ce qui s'est affiché? Il y a du vert, mais non, du rouge. C'est pas possible, mais c'est pas possible. Mais non, j'ai pas de fils. Moi, regardez bon, attendez, ma tête. Venez-moi chez lui vite. Faut qu'on aille voir. Oui, un bébé Jam. Mais depuis quand ça existe? Allez, c'est parti. Défonce-toi. Allez, hop. Il a. Quoi? Bébé Jam? Il a vraiment un fils? Oui, c'est qui? Mais bonjour! Quoi? Attends, quoi? Je l'avais dit, j'avais entendu des bruits de bébé. Mais non, je suis. Oui, bonjour! Bon, tu vas venir avec nous, toi. Voilà, allez, on va le ramener chez Jam. Allez, on kidnappe. Mais.